Il y a encore un peu de place en bas, donc il y a une rediffusion vidéo en bas. Donc pour ceux qui n'ont pas de chaise en haut, il y a encore un peu de place en bas.
Alors maintenant, on peut doucement commencer à aller vers ces places. Ceux qui sont jeunes, et il y en a beaucoup de jeunes ici, peuvent aussi venir s'asseoir ici devant, dans le chœur, là également. Donc ceux qui se sentent jeunes peuvent venir s'asseoir là-bas. On espère, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, en bas aussi, ici aussi. Donc installez-vous et puis les plus jeunes peuvent venir s'asseoir ici dans le chœur. Il y a de la place pour être assis. Merci beaucoup.
S'il y a des jeunes, il y a encore de la place devant, par terre, pour des jeunes qui veulent rester par terre. Ils auront une belle vue, mais ce sera par terre, juste ici devant, si vous voulez. Voilà, on va bientôt commencer la conférence. Est-ce que il n'y a pas beaucoup de place? Si, il y a quand même beaucoup de place, mais est-ce qu'on peut inviter les jeunes, ceux qui sont encore jeunes et souples à venir se mettre à soir ici pour laisser encore des places dans l'église? S'il y en a qui sont jeunes ici, voilà, on peut gagner quelques places. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Il y a encore un peu de place pour des jeunes, si vous voulez, devant. Ce sera à même le sol, mais au moins vous aurez une belle vision de la conférence. Il y a encore de la place un petit peu en bas. Vous savez que la conférence est projetée en direct par vidéo en bas. Donc pour ceux qui n'en ont pas de place en haut, il y a encore quelques places en bas, même si la chapelle du bas est déjà fort pleine. Alors, je vais laisser la parole à l'abbé Marot, qui a porté cette conférence et qui est le référent de la paroisse de Stockey. Avant de commencer, je voudrais encore dire qu'il y a des place aussi en bas dans la chapelle. Ils nous voient à la télévision en bas, dans l'église du bas. Donc je salue tout particulièrement ceux qui sont en train de suivre cette conférence par écran interposé. Mais on est vraiment en communion les uns avec les autres. J'allais dire l'église du bas, l'église du haut.
tous unis, on ne fait qu'un. J'espère qu'il n'y en a pas dehors, que tout le monde a pu rentrer dans cette église. Deuxièmement, il y en a qui ont réclamé, surtout ceux d'en bas, ils n'ont pas vu les boîtes bleues. Alors ceux qui étaient en bas les ont réclamés, alors je les rassure, ces boîtes bleues vont arriver aussi en bas. Ces boîtes bleues servent à soutenir et à couvrir les frais de cette soirée qui a suscité quand même quelques frais. Donc nous comptons sur votre générosité. Bien sûr, c'est une participation aux frais qui est libre, bien évidemment. Mais si vous avez envie de soutenir cette conférence de ce soir, merci de faire bon accueil à ces boîtes bleues. Et puis deuxièmement, ne vous inquiétez pas parce que le surplus de ces boîtes bleues iront pour les œuvres du cardinal Robert Sarah. Donc on espère que nous pourrons aussi lui donner quelque chose pour repartir, et nous savons très bien combien il est généreux et il est attentif aux pauvres dans le monde. Éminence, au pluriel, Monseigneur, chers confrères dans le sacerdoce, Monsieur le Bourgmestre, vous tous représentants des autorités civiles et religieuses, chers frères et sœurs des communautés religieuses, chers sœurs et frères dans le Christ, soyez vraiment tous le bienvenu ici dans cette église de Notre-Dame de Stockel. Mais avant de laisser le soin aux responsables de la pastorale francophone de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, l'abbé Philippe Mahouet, de vous accueillir, permettez-moi de citer une phrase de votre livre « Éminence, Dieu ou rien » écrit avec Monsieur Dia, que je voudrais saluer publiquement, et donc qui a écrit ce livre conjointement avec le cardinal. Et il y a tellement de passages que j'aimerais vous citer, alors j'en ai cité un avant la messe, maintenant je voudrais citer celui-ci qui est une question posée, elle est la suivante: l'Église croit-elle au progrès ou à l'espérance? Alors ces deux paragraphes, et dans ces deux paragraphes, je vais prendre trois phrases. Vous pourrez aller voir ça à la page 273, mais dans l'édition plurielle. Le Christ seul permet la réalisation pleine et entière de l'homme. Je passe une phrase. Le vrai progrès porte nos regards, nos efforts et notre espérance vers les choses de l'éternité. Et je passe encore. La richesse peut conduire à la solitude et à la tristesse, alors que le Christ donne toujours la joie. Le progrès sans Dieu est un faux bonheur. Je vous souhaite à tous. Je donne la parole à Philippe Mahouet. Éminence, Monseigneur le nonce apostolique, chers confrères dans le sacerdoce et le diaconat, frères et sœurs des communautés religieuses, Monsieur le député et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, frères et sœurs, chers amis. C'est vrai qu'en tant que responsable de la pastorale francophone ici de notre paroisse Notre-Dame de Stockel, je voudrais vous remercier de votre présence. Merci à vous, mes seigneurs les cardinaux Robert Sarah et Joseph de Kesel. Avec vous, nous sommes l'Église, rassemblée dans l'unité de notre foi et dans l'accueil de nos différents chemins qui font de nous un peuple de pèlerins sur des routes d'Évangile. Merci à vous, Monseigneur le nonce apostolique. Par votre présence, c'est aussi celle de notre cher pape François que nous reconnaissons dans notre assemblée. Il est le pasteur universel, garant de notre unité, qui ne cesse de nous envoyer aux périphéries avec la parole du Christ et l'amour de nos frères et sœurs comme seul bagage. Merci à vous, qui êtes venus de différents horizons, voire même de différents pays. Vous êtes venus comme on vient à une source capable de nous désaltérer. Chers amis,
nous sommes à un carrefour, là où la profonde humanité de chacun rejoint notre quête de Dieu. Ils sont nombreux, les chemins qui nous ont conduits à ce carrefour. Puissions-nous nous y rencontrer ce soir dans l'émerveillement qui dit la fraîcheur et la joie de notre foi, dans la lucidité qui nous fait mesurer combien la mission de l'évangélisation s'inscrit au cœur des réalités de notre temps, et dans l'action de grâce à Dieu qui nous rejoint tous et chacun sur nos chemins d'humanité reconnus comme des chemins d'éternité. Merci aussi, et je veux y insister, à toute l'équipe qui a préparé l'événement depuis de longs mois ici à Notre-Dame de Stockel. Ce fut avec enthousiasme et plein de dévouement, ce fut, je crois, un temps de joie, d'où les nuits blanches n'ont pas été épargnées. Permettez-moi de terminer en m'adressant à vous, Monseigneur le nonce apostolique. Dans un peu plus d'un mois, nous célébrerons le 5e anniversaire du pontificat de notre cher pape François. Puissiez-vous lui adresser nos plus vives félicitations et nos plus chaleureux remerciements en l'assurant, comme il nous le demande souvent, de nos prières. Merci à vous, Monsieur le cardinal Joseph de Kaiser. Nous avons la joie de vous avoir comme archevêque. Que Rome ne vous réclame pas trop souvent, car Bruxelles a besoin de vous. Merci à vous, Monsieur le cardinal Robert Sarah. Nous savons votre parole habitée par la foi. Nous voulons vous écouter avec un cœur ouvert, disponible à la parole que vous allez nous partager ce soir. Merci beaucoup. Heureusement, ce soir, le cardinal de Kiesel n'était pas à Rome, il était bien à Bruxelles. Je vous demande bien d'applaudir très fort le cardinal Joseph de Kiesel. Et voilà, le cardinal Sarah va s'avancer pour nous entretenir de son dernier ouvrage. Éminence, Excellence, Monseigneur le Nonce apostolique, Monsieur le Doyen, Monsieur le Curé, Monsieur les Abbés, chers frères et sœurs dans le Christ, permettez-moi tout d'abord de remercier très cordialement et très chaleureusement Son Éminence, Monsieur le Cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, de m'avoir fait l'honneur et le privilège d'accueillir avec enthousiasme et amitié ma présence ici, en l'église Notre-Dame de Stockel, pour présenter mon livre d'entretien sur la foi. Dieu ou rien. Je voudrais dire toute ma gratitude et ma considération respectueuse aux prêtres et aux responsables de la paroisse Notre-Dame de Stockel, en particulier Monsieur le curé Benoît Essendonx, Monsieur les abbés Philippe Mamoué, responsable de l'unité pastorale de Stockel au Bois, et Édouard Marot, vicaire responsable francophone, ainsi que tous les fidèles de cette paroisse qui contribuent par leur dévouement à la réussite de notre rencontre.
C'est une immense joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie tous et chacun pour votre présence amicale qui m'honore plus que je ne mérite. Passons maintenant à l'objet de notre rencontre, Dieu ou rien. Comment Dieu ou rien est-il né? À vrai dire, je n'avais pas du tout pensé à écrire un livre maintenant. Un jour, M. Nicolas Dia, qui préparait un livre sur Benoît XVI, intitulé « L'homme qui ne voulait pas être pape », que je vous recommande de lire parce que vous aurez là de grandes richesses. Nicolas donc est venu chez moi dans le but d'échanger quelques idées sur différentes questions. Et à l'issue d'une deuxième rencontre avec lui, il m'a proposé d'écrire un livre sur ma vie. J'ai répondu que ma vie ne présentait aucun intérêt. Mais j'ai ajouté, nous pourrions éventuellement, au cours d'un entretien, aborder certaines questions actuelles de l'Église, de la société et de notre monde de plus en plus globalisé et plein de confusion, plein d'ambiguïté et d'incertitude. Même dans l'Église catholique, on a l'impression qu'il n'existe plus de magistère ni d'enseignement doctrinal et moral sûr. Chacun s'octroie une liberté absolue pour proclamer ses opinions et ses valeurs morales. Moi aussi, je voudrais proclamer ma foi et ma fidélité radicale à Jésus-Christ, au magistère pluriséculaire de l'Église, comme une humble participation à la lutte de Benoît XVI contre la dictature du relativisme. Nous avons donc commencé par les deux premiers chapitres qui relatent mon expérience personnelle, vécue dans un contexte socio-politique particulièrement difficile, celui de la révolution en Guinée avec Sékou Touré, les rapports extrêmement tendus entre l'Église et l'État guinéen, difficultés et tensions qui ont conduit à l'expulsion du premier archevêque de Conakry, Mgr Gérard Demilleville, en août 1961, à l'arrestation et à l'emprisonnement du deuxième archevêque de Conakry, Mgr Raymond Marie Tshidimbo, en décembre 1970, à l'expulsion de tous les missionnaires en mai 1967 et les 26 années de dictature et de persécution. Moi-même, j'ai été sur une liste de personnes à éliminer en avril 1984, mais j'ai échappé à la mort grâce à la providence divine. Quand je regarde ma vie, mon cheminement vocationnel tortueux, en effet, j'ai commencé mes études et ma préparation au sacerdoce en Guinée, puis en Côte d'Ivoire, de nouveau en Guinée, puis en France et au Sénégal. J'y vois avec clarté la trace concrète de la providence divine à mon endroit. Après ces deux premiers chapitres, vous trouverez des réflexions sur les papes depuis Pie XII jusqu'au pape François, sur l'Église, Rome, le monde moderne, l'Afrique,
la profonde crise anthropologique et la crise de la foi du monde occidental, l'idéologie du genre, la morale, la vérité, le mal, la prière. Je voudrais surtout vous inviter à vous arrêter sur les chapitres concernant la prière. Parce que nous constatons aujourd'hui une éclipse, une absence de Dieu dans le monde politique, économique, culturel et même dans nos propres vies personnelles. La vraie crise que traverse le monde d'aujourd'hui n'est pas essentiellement une crise économique ou politique, mais une crise de Dieu. Certes, on ne parle aujourd'hui que de la crise économique. Dans l'essor de la puissance économique de l'Europe, après des orientations originelles plus éthiques et religieuses, l'intérêt économique est devenu déterminant de façon toujours plus exclusive. L'homme d'hier, comme celui d'aujourd'hui, quelle que soit sa race, sa couleur, sa culture, son pays ou son continent, est orienté presque exclusivement vers la possession et l'usage des biens matériels. Et dans le contexte culturel, plus spécifiquement de la société occidentale, il n'est pas exagéré d'affirmer que l'homme travaille, organise et gère les rapports humains, politiques, économiques et commerciaux, provoque des guerres, produit des armes de destruction massive, envahit et conquiert des pays uniquement ou presque pour amasser et accumuler des richesses matérielles et asseoir son autorité et son hégémonie. Avec la belle et noble raison d'installer de force et partout la démocratie et d'apporter la paix et la liberté, l'Europe et les États-Unis ont créé le chaos dans beaucoup de pays, surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Mon jugement peut paraître inexact ou exagéré, mais nous ne pouvons pas nier la réalité aujourd'hui. Regardez l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan. Il y a quelques jours, M. Macron, le président Macron, reconnaissait l'erreur grave qu'on a commise en détruisant la Libye. L'Europe traverse depuis plus d'un siècle une crise de civilisation sans précédent. Cette crise n'est donc pas récente, mais elle ne cesse de s'approfondir, de s'aggraver et de démolir toute référence à Dieu. La culture occidentale, surtout, s'est progressivement organisée comme si Dieu n'existait pas, disait le pape Saint Jean-Paul II. Beaucoup aujourd'hui ont décidé de se passer de Dieu. Comme affirme Nietzsche, pour beaucoup en Occident, Dieu est mort. C'est nous qui l'avons tué. Nous sommes les assassins de Dieu. Et nos églises sont les caveaux et les tombeaux de Dieu. Un nombre important de fidèles ne fréquentent plus les églises pour éviter d'y sentir la putréfaction de Dieu. Mais ce faisant, l'homme ne sait plus ni qui il est, ni où il va. Il y a comme un retour au paganisme et à l'idolâtrie. La science, la technologie, l'argent, le pouvoir, la liberté à outrance, les plaisirs illimités sont aujourd'hui nos dieux.
Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, surtout en Occident, mais pas seulement en Occident, vient du fait que nous avons abandonné Dieu pour donner de l'importance à des riens. Certes, l'économie, la politique, la science, la technologie et les gigantesques et prodigieux progrès sur le plan de la santé et des communications sociales ne sont pas des riens. Ce sont des acquis colossaux pour le bien-être de l'humanité, mais par rapport à Dieu, ce sont véritablement des riens. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, tout subsiste. En dehors de lui, il n'y a rien qui tienne. Tout tient son être et sa vérité en Dieu. En un mot, c'est Dieu ou rien. À vrai dire, nous-mêmes, nous ne sommes rien devant Dieu. Et pourtant, nous sommes éminemment précieux à ses yeux. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance parce qu'il nous veut semblables à lui. Il veut que nous soyons saints parce que lui, le Seigneur notre Dieu, est saint. Il est descendu jusqu'à nous. Il a pris notre humanité pour nous élever jusqu'à lui. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Deus homo factus est, ut homo fieret Deus, dit saint Irénée. Certes, nous avons d'énormes problèmes, des situations souvent douloureuses, une existence humaine difficile et angoissante. Pourtant, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui donne sens à toutes choses. Nos soucis, nos problèmes, nos souffrances existent et nous préoccupent. Mais nous savons que tout se résout en lui. Nous savons que c'est Dieu ou rien. Et nous le savons comme une évidence qui s'impose non de l'extérieur, mais à l'intérieur de l'âme. Car l'amour s'impose non par la violence, mais en séduisant le cœur par une lumière intérieure. Par Dieu ou rien, je voudrais parvenir à replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de notre agir, au centre de notre vie, à la seule place qu'il doit occuper, afin que notre cheminement de chrétien puisse graviter autour de ce roc qu'est Dieu et de cette ferme assurance de notre foi chrétienne, vivifiée et renforcée par la prière. Sans la louange, sans une intense vie de prière, sans adoration et donc sans Dieu, il n'y a que guerre, division et égarement. Sans Dieu, au cœur de l'homme, il n'y a que dispute, mensonge, violence, haine, destruction humaine et déchirement, comme nous le voyons aujourd'hui. Je voudrais illustrer ce que je viens de dire par un récit emprunté à la légende dorée des saints musulmans. Moi-même, je vis dans un contexte où il y a 73% des musulmans. Et il y a une influence mutuelle entre chrétiens et musulmans parce que nous nous soutenons dans la recherche de Dieu et dans une vie de prière constante. Nous savons par expérience qu'avoir un voisin peu sympathique et méchant
peut rendre pénible notre existence. Mais cette difficulté et ces désagréments ne peuvent durer que quelques années, 15 à 20 ans, ou au maximum 50 ans, puis la mort nous en sépare. Mais si nous devons vivre pour l'éternité avec un voisin désagréable, il vaut mieux le connaître dès cette terre pour nous y préparer. Voici donc cette légende. Abdelwahid ibn Zayd voulait savoir qui serait son voisin au ciel. On lui répondit, « Oh Abdelwahid ibn Zayd, tu auras pour voisine Maïmouna la Noire. » Où est-elle donc cette Maïmouna ? Demande Abdelwahid ibn Zayd. Elle est chez les Banu Untel à Koufa. Abdelwahid ibn Zayd se rendit à Koufa et se renseigna sur Maïmouna. C'était, lui dit-on, une folle qui fait paître des moutons du côté du cimetière. Abdelwahid ibn Zayd se rendit au cimetière et trouva Maïmouna en train de prier. Les moutons de Maïmouna paissaient tranquillement tout seuls. Et cela était d'autant plus étonnant et merveilleux qu'ils étaient mélangés à des loups. Et les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Après qu'elle ait fini de prier, Abdelwahid ibn Zayd demanda à Maïmouna, « Comment se fait-il que les loups fassent si bon ménage avec des moutons ?» Et Maïmouna de répondre, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Les seuls moyens humains, les seules négociations politiques ou diplomatiques sont impuissants à opérer l'unité, à établir la paix entre les hommes. Parce qu'il y a un virus de désunion qui habite à l'intérieur du cœur humain depuis le péché originel. L'unité des enfants de Dieu est une œuvre que seul Jésus-Christ peut réaliser par l'Esprit Saint, car le Christ est notre paix. Mais sans la prière, l'Esprit Saint bute à notre âme contre une porte close. Faisons donc une plus grande place à Dieu, à la prière et à l'adoration dans notre vie. Alors chacun pourra dire un jour, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré et pacifié les rapports des hommes et des peuples entre eux. Après avoir tué Dieu, ou en procédant comme si Dieu n'existait pas, il est difficile de trouver même le fondement du droit. Déjà Pie XII, en 1939, dénonçait cette méconnaissance et ce refus de Dieu comme fondement de la loi. La racine profonde et dernière des maux que nous déplorons dans la société moderne est la négation et le rejet d'une règle morale universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans les relations internationales, c'est-à-dire la méconnaissance et l'oubli si répandu de nos jours de la loi naturelle elle-même, laquelle trouve son fondement en Dieu, Créateur tout-puissant et Père de tous, suprême et absolu législateur. Aujourd'hui, les Nations Unies et les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus pour donner à tous et à tous les citoyens du monde
un accès sans entrave au plaisir sexuel et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qui l'a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer du père, de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé, des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de notre humanité. La distorsion du judéo-politique sont inventées pour satisfaire nos propres intérêts et désirs égoïstes et pour déstructurer des sociétés jugées rétrogrades. Ces nouveaux droits dénommés civils sont aux deux extrêmes, le droit de mourir et le droit de ne pas naître. Entre les deux se placent les droits à l'avortement, les droits aux manipulations génétiques, les droits à l'enfant réduit à n'être qu'une chose ou un objet. Mais il y a aussi le droit à l'insulte et à la profanation des religions. En regardant et en analysant notre monde et sa volonté d'émancipation et d'autonomie par rapport à Dieu, nous constatons bien qu'au nom d'une perversion de la liberté, désormais déboussolée, nous sommes confrontés à une tentative sans précédent dans l'histoire de l'humanité, celle de détruire l'humanité elle-même, de détruire la capacité que l'homme a naturellement, la capacité d'aimer, et de priver ainsi l'humanité d'une source irremplaçable de lumière, de force et d'amour, c'est-à-dire Dieu. Ce qui ruine l'homme, c'est sa rupture et la destruction de ses rapports personnels avec Dieu. Ce qui nuit au vrai bonheur de l'homme, c'est la confusion et le déséquilibre des esprits. C'est l'esclavage de l'argent. C'est l'exploitation à des fins commerciales et égoïstes du rêve secret que l'homme porte dans son cœur. C'est la méconnaissance de la vraie valeur de l'homme. C'est l'oubli des finalités essentielles de la société. Ce qui fait que nous n'avons même plus le temps ni de vivre, ni d'aimer. Nous avons tué Dieu et sommes en train de détruire l'homme. Cette destruction aboutit finalement au refus de prendre connaissance du plan de Dieu sur l'homme. La destruction du corps de l'homme par la destruction irréversible de son intégrité génétique, c'est le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Nous sommes arrivés à l'apogée de la rébellion de l'Occident contre Dieu et contre la personne humaine. Jamais la révolte contre Dieu n'a connu une telle expansion horizontale à travers le monde. La crise spirituelle de l'Europe engendre nécessairement une crise profonde et une force de destruction anthropologique dont l'humanité
pourrait ne pas se relever. La destruction systématique de la famille est promue au nom des valeurs démocratiques détournées de leur sens originel. Sous couvert de lutte contre la discrimination, certains veulent effacer la différence des sexes au sein du mariage et promouvoir des modèles familiaux dans lesquels l'amour conjugal et la transmission de la vie deviennent des éléments dissociables. Mais l'analyse limpide et les avertissements vigoureux du pape Benoît XVI nous rappellent que l'identité européenne se manifeste dans le mariage et la famille. Et l'Europe ne serait plus l'Europe si la famille, cette cellule fondamentale de l'organisme social, disparaissait et se voyait totalement transformée. Nous sommes tous malheureusement témoins aujourd'hui d'une agression violente et d'une menace de démolition du mariage et de la famille. En bruyant contraste, ajoute Benoît XVI, voici maintenant les personnes homosexuelles qui réclament de façon paradoxale que leur vie commune soit juridiquement reconnue pour être plus ou moins assimilée au mariage. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité dans son ensemble, où en dépit de toutes les variétés de formes juridiques matrimoniales, le mariage était cependant toujours considéré, conformément à son essence, comme la communion particulière d'un homme et d'une femme, s'ouvrant aux enfants et constituant ainsi la famille. Il ne s'agit donc pas ici de discrimination. Il s'agit de savoir ce qu'est la personne humaine en tant que femme et homme et comment leur vie commune peut recevoir une forme juridique. Si d'une part, leur vie commune se détache toujours davantage des formes juridiques et si par ailleurs, l'union des personnes homosexuelles est toujours plus considérée comme étant de même nature que le mariage, nous sommes alors devant une disparition de l'image de l'être humain, dont les conséquences peuvent être extrêmement graves. Au nom d'une volonté de déconstruire tout, et animé d'une véritable haine de la nature humaine, on prétend construire la masculinité et la féminité afin de pouvoir, dans le monde entier, une indifférenciation des sexes. Les grandes victimes de cette politique nihiliste sont tout d'abord les femmes, détournées de leur vocation à la maternité, et les enfants tués avant d'avoir vu la lumière du jour. Il n'y a pas longtemps, Hillary Clinton a demandé à l'ONU que le droit à l'avortement soit proclamé à l'échelle universelle. Quand un Parlement autorise l'interruption de grossesse, admettant la suppression de l'enfant à naître, il commet une grave violence à l'égard d'un être humain innocent et privé de toute capacité d'autodéfense. Les parlements qui approuvent et promulguent de telles lois doivent être conscients qu'ils outrepassent leurs compétences et qu'ils se mettent en conflit manifeste avec la loi de Dieu et avec la loi naturelle.
Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et cette loi est absolue. Vous voyez la perversion qui guette le droit. Comment pouvons-nous réduire un être humain à un objet dont on peut disposer jusqu'à sa destruction? Un être humain doit être accueilli et respecté. Il n'est pas l'objet d'un droit. Les puissances occidentales ont déjà imposé aux pays africains, aux pays pauvres, l'application du droit à l'avortement et à l'homosexualité comme condition de toute aide au développement. Plus de la moitié de nos pays africains sont obligés de créer un ministère du genre pour avoir de l'aide des pays occidentaux. Le pays le plus touché par cette dictature criminelle, c'est le Vietnam, avec 1 600 000 avortements par an. Le droit se trouve ainsi dénaturé. La médecine elle-même se trouve pervertie, puisqu'au lieu de chercher à guérir, à améliorer la santé, à adoucir la souffrance, elle consent à se mettre au service de la mort avant comme après la naissance. En Belgique, chez vous, lors du débat sur l'euthanasie des enfants en 2014, on a légiféré. La loi est passée sans problème. Il n'y eut que quelques protestations, alors que c'est l'avenir de l'homme et de l'humanité qui est en jeu dans tous ces débats. En ce qui concerne la famille et le mariage, il y a une volonté non seulement de faire éclater, mais aussi et surtout de détruire les fins du mariage et déstructurer et dénaturer la cellule familiale. L'idéologie du genre et ces groupes de pression y travaillent avec acharnement et de gros moyens financiers et médiatiques. L'Église se trouve dans une situation étonnante. Des hauts prélats, issus surtout des nations opulentes, s'emploient à apporter des modifications à la morale chrétienne concernant le respect absolu de la vie, dès sa conception jusqu'à la mort naturelle, les divorcés remariés et d'autres situations familiales problématiques. Ces gardiens de la foi devraient cependant ne point perdre de vue que le problème fondamental posé par l'éclatement de deux fins du mariage est un problème de morale naturelle. C'est au plan naturel que l'homme et la femme sont appelés à s'unir définitivement et de façon indissoluble pour se témoigner de la tendresse, de l'amour, pour se soutenir dans une harmonie, dans une harmonieuse complémentarité et pour procréer. Paul VI, avec une grande intelligence et une parfaite fidélité à l'enseignement de l'Église, voulait surtout, à travers Humanevitae, souligner deux aspects indissociables de l'acte conjugal, l'union et la procréation. Cette doctrine, écrit-il, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative propre. Entre deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies. Selon des lois inscrites
dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens du mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme et de la femme. Nous pensons que les hommes de notre temps sont particulièrement en mesure de comprendre le caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental. C'est cette réalité naturelle que le Seigneur a élevée à la dignité d'un sacrement. Face aux puissances qui ébranlent actuellement la famille, l'Église devrait se découvrir la vocation d'être la seule instance qui soit en mesure de sauver la sexualité humaine et l'institution naturelle du mariage et de la famille. Il ne s'agit pas seulement de sauver la morale chrétienne, il faut sauver et protéger la morale naturelle, il faut sauver et protéger l'humanité. Prélats catholiques et laïcs chrétiens devraient se souder et refuser de contribuer à la destruction de la morale naturelle. Les grandes dérives ont surgi lorsque certains prélats ou intellectuels catholiques ont commencé à écrire ou à dire « feu vert pour l'avortement, feu vert pour l'euthanasie ». Or, à partir du moment où des catholiques abandonnent l'enseignement de Jésus et le magistère de l'Église, ils contribuent à la destruction de l'institution naturelle du mariage et de la famille. C'est toute la communauté humaine qui se trouve fissurée par cette nouvelle trahison des clercs. Mais je vais poser une question clé. Le magistère de l'Église est-il compétent pour vérifier la morale naturelle? Vous-même, vous pouvez répondre que l'Église a été la seule institution compétente de par la mission reçue par Dieu. Il faudrait que l'Église en revienne à humanevitae de Paul VI, ainsi qu'aux enseignements de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur ces questions vitales pour l'humanité. Le pape François lui-même reste dans le sillage de ses prédécesseurs chaque fois qu'il souligne la coïncidence entre l'évangile de l'amour et l'évangile de la joie. Il faudra affermir avec force et sans aucune ambiguïté le poids magistériel de tout cet enseignement et mettre en relief sa cohérence et protéger ce trésor contre les prédateurs de ce monde sans Dieu. Dieu ou rien aborde toutes ces questions avec précision, avec clarté, avec fermeté, une fermeté qu'exige notre fidélité radicale à l'Évangile et au magistère de l'Église dans un langage serein et respectueux des personnes. J'ai été profondément touché par la lettre que le pape Benoît XVI m'a adressée pour me dire « J'ai lu Dieu ou rien » avec un grand profit spirituel, grande joie et gratitude. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'aborder avec clarté l'idéologie du genre. Le pape François, également, et après avoir lu Dieu ou rien, m'a dit « Merci pour ce courage. Votre livre m'a profondément touché.
je vous souhaite à vous aussi un grand profit spirituel en lisant avec attention et un courage généreux Dieu ou rien. Merci de votre attention. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre patience et votre indulgence. Je serai disponible à l'une ou l'autre question que vous désiriez poser, si nous avons le temps. Mais tout d'abord, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci également de votre attention. Ma parole est souvent abrupte, souvent difficile, radicale, mais tous ceux qui ont fait l'expérience de porter l'Évangile dans la souffrance ont souvent une parole radicale. Ce que je cherche, c'est servir Dieu et son Église. Je n'ai aucun intérêt personnel. C'est par gratitude. Je suis d'un petit village de Guinée, d'une petite famille de 3 personnes, papa, maman et moi. C'est le seul enfant. Et Dieu m'a pris dans ce petit village pour me porter à travers des sentiers très tortueux jusqu'au cœur de l'Église aujourd'hui, jusqu'à Rome. Un jour, il me demandera des comptes. J'étais pris comme le petit David dans ce petit village. J'étais fait tant de choses. Qu'as-tu fait pour l'Église ? Chacun de nous, nous devons répondre un jour à Dieu. Nous avons reçu tellement de choses de lui. D'abord notre baptême. Moi, j'ai reçu tellement. Je suis d'abord chrétien. Ma région est une région animiste. Mon pays est majoritairement musulman. Mais Dieu m'a fait la grâce d'être chrétien. Il m'a fait la grâce d'être prêtre. Il m'a fait la grâce d'être évêque. Il m'a fait la grâce d'être maintenant auprès du Saint-Père. J'aurai des comptes à rendre. Et vous aussi, si vous cachez votre foi, ne vous laissez pas noyer dans ce monde d'aujourd'hui. Vous êtes du monde, mais vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. C'est Jésus qui le dit.
Nous devons aimer passionnément notre monde. Nous ne devons pas juger notre monde, mais nous devons le porter vers Dieu. C'est ça que je voudrais vous dire comme encouragement. N'ayez pas peur d'être chrétien. N'ayez pas peur de l'Évangile. N'ayez pas honte de l'Évangile. C'est dur l'Évangile. Mais tous nos prédécesseurs sont morts pour l'Évangile. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont égorgés pour l'Évangile. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Et vous, moi je ne serais pas là si vous, vous n'étiez pas venu dans mon petit village. Ce sont des missionnaires qui m'ont donné la foi. Ils sont morts. Dans mon village, ils sont arrivés à deux. Et 6 mois après, un d'eux meurt. Et certainement son sang a fait de moi un chrétien, un prêtre, un évêque, un cardinal. Et vous aussi, vos parents vous ont nourri dans la foi chrétienne. Le monde a changé, mais croyez-moi, l'homme n'a pas changé. Adam est exactement comme moi, avec les mêmes ambitions. Adam voulait être comme Dieu. Le démon lui a dit, tu seras comme Dieu. Aujourd'hui, si nous voulons être comme Dieu, et nous avons déjà abouti à cette ambition. La seule différence entre Adam et nous, c'est que nous avons le téléphone portable. C'est tout. Mais les ambitions, les difficultés, les tentations, il a été tenté aussi, Adam a été tenté. Nous sommes tentés exactement. Coëlette dit, il n'y a rien de nouveau sur ce monde. Il n'y a rien de nouveau. L'homme est le même. La seule différence, c'est que nous sommes dans l'abondance, mais Adam aussi était dans l'abondance. Rien ne lui manquait dans le paradis terrestre. Soyons courageux. Nous avons devant nos yeux par la télévision des gens qu'on égorge pour leur foi. Que ça nous réveille. Que cela réveille notre foi. Nos chrétiens d'Orient n'ont pas besoin de notre charitable. Ce qu'ils ont besoin, c'est notre foi. Qu'ils voient que la foi pour laquelle ils meurent, vous l'avez aussi. Certes, vous devez leur donner à manger, des vivres, mais ils ont besoin du soutien de votre foi. Excusez-moi d'abuser de votre patience, mais si vous avez une question, je vais bien répondre. Éminence, je vous remercie beaucoup de ce que vous nous apportez. C'est vrai, nous avons apporté la foi en Afrique. Vous nous la rendez. Et pour cela, je vous en remercie du fond du cœur. J'ai une petite question qui me taraude depuis longtemps. Bon, l'homme, malheureusement, est tombé dans le péché par cette croyance qu'on deviendrait comme Dieu. Et nous avons touché à l'arbre du bien et du mal, qui nous donnerait donc cette connaissance. Alors, le Seigneur nous a chassés du paradis parce que, voilà, on ne pouvait plus être là. En fait, nous sommes tombés, je pense. Mais il a dit aussi cette phrase qui se trouve dans la Genèse et qui m'interpelle. Maintenant que l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas qu'il touche à l'arbre de la vie. Et je me suis toujours demandé si pour le moment où nous faisons des grosses bêtises au point de vue avortement, éthique, etc., si nous ne sommes pas en train d'y toucher à cet arbre.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes en train de toucher à tout. Tout à l'heure, je vous disais que Nietzsche a dit que nous avons tué Dieu. Nous voulons le supprimer. Nous n'avons pas besoin de lui. C'est une réalité. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de Dieu. Quelques-uns aussi disent, moi, je veux bien Dieu, mais je ne veux pas l'Église. Je veux bien le Christ, mais pas l'Église. Mais il n'y a pas d'Église sans le Christ. Il n'y a pas de Christ sans l'Église. Il y a comme une inséparabilité entre l'Église et le Christ. L'Église est le corps du Christ. Et respecter l'Église et son enseignement, c'est respecter le Christ. Nous touchons également à la vie. La vie ne nous appartient pas. C'est un don que nous avons reçu de Dieu. C'est le don le plus précieux, le bien, le trésor le plus grand, la vie. Et nous, aujourd'hui, nous décidons qui doit mourir, mais de quel droit ? Qui nous a donné ce pouvoir de décider que quelqu'un doit mourir, un enfant qui doit naître n'est pas désirable, il faut qu'il meure, ou un vieillard, il n'est plus utile, il est fatigué, il doit partir. Il y a beaucoup de choses que nous avons touchées. Nous pouvons également décider d'échanger ce que Dieu a créé dès le départ, lorsqu'il a fait Adam et Ève. Aujourd'hui, nous pensons que non, ce que Dieu a fait, la complémentarité entre Dieu, entre l'homme et la femme, ce n'est plus nécessaire. Nous, les Africains, nous disons que l'homme est la moitié d'un être, la femme est la moitié d'un être. Les deux font l'homme et la femme, voyez-vous. L'homme n'est rien sans la femme. La femme n'est rien sans l'homme. Les deux ne sont rien sans un troisième élément qui est l'enfant. Il y a une grande complémentarité. Je suis que un homme, c'est la moitié d'un être. La femme est la moitié. Les deux vraiment sont complémentaires et font des merveilles quand cette union est vraiment harmonieuse. Voyez-vous, Benoît XVI a dit, l'Occident, enfin, la crise que l'Occident traverse ne s'est jamais vérifiée dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Aucune société n'a légiféré ce qu'on légifère aujourd'hui en Occident. Aucune civilisation. Donc, nous touchons à tout, comme si nous étions le Dieu qui veut recréer tout à sa manière. Excusez-moi, j'ai une autre question. Oui, vous nous dites que pour l'instant, la situation n'est pas idéale en Europe. Voilà, nous, en tant que jeunes, a priori, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre tout ça? Enfin, on est parfois un peu perturbé par tout ce qui est autour de nous, on ne sait pas toujours très bien où se mettre. Qu'est-ce que nous, on peut faire là maintenant pour défendre la vie concrètement? Enfin, qu'est-ce que vous nous conseillez? Si je comprends bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour défendre la vie? Je veux dire, dans ce monde où ce n'est pas évident, comment faire pour nous vraiment comprendre ce mystère et pouvoir le défendre? Eh bien, il faut vous unir. Vous connaissez un petit livre
un petit roman qui s'appelle « Le vieil homme et la mer » qui a été écrit par Ernest Hemingway. Il raconte l'histoire d'un monsieur qui va chercher du poisson au bord de la mer et il ne trouve rien. Il va au large, il attrape un gros poisson, mais il est tout seul, il n'arrive pas à le remonter. Et il dit, bon, je vais le traîner jusqu'au port. Au port, je trouverai du monde pour m'aider à le sortir de l'eau. Mais comme il était trop loin du port, le temps d'arriver au port, les requins avaient mangé son poisson. Lorsqu'on a sorti son poisson, il n'y avait que les squelettes. Autrement dit, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous aventurer tout seuls. Nous ne pouvons pas nous battre tout seuls. Il faut qu'on soit unis. Vous parlez en haute mer tout seul. Il y a trop de requins. Alors, les chrétiens, d'ailleurs, c'est le Christ qui veut ainsi. Dieu veut ainsi. Dès le départ, il a créé une famille, Abraham. Il a créé un peuple avec Moïse. Jésus a créé les 12 apôtres. Il ne voulait pas les laisser seuls. Donc, nous devons être unis pour défendre la vie, pour vivre notre foi. Si nous nous sommes dispersés, les requins vont manger nos valeurs, notre foi, nos convictions. Il faut nous unir autour de Jésus. Il est notre force. N'ayez pas peur. Vous êtes peut-être devant un géant. La technologie. Vous êtes devant un géant, les médias. Vous ne pouvez rien faire. On étouffe votre voix. Mais si vous êtes ensemble, vous êtes capable d'avoir de la force pour manifester que la vie est précieuse. C'est un grand don. Que l'enfant est innocent. Qu'il faut l'aimer. Que c'est un grand trésor. Peut-être c'est un génie que vous éliminez comme cela. Soyons ensemble. Voyez-vous, n'ayez pas peur. Et souvent, dans la Bible, on a souvent montré que des gens qui étaient faibles. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, c'est ma devise d'ailleurs, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que je manifeste mon pouvoir. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, ce ne sont pas en Orient, ce ne sont pas en Afrique, c'est ici. Vous êtes les plus persécutés parce qu'on veut anesthésier votre foi. On veut tuer votre foi. On veut tuer vos valeurs chrétiennes. On vous dit, mais vivez comme tout le monde. Soyez modernes. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, c'est ici en Occident. Ce n'est pas en Afrique. C'est vrai, en Afrique, on nous égorge. Si vous allez, vous savez, si vous allez au Nigeria, si vous allez à la messe, vous ne savez pas si vous retournez à la maison. Une bombe va éclater dans l'église. Mais ce n'est pas la mort physique qui est le plus grave, c'est la mort morale. Ici, on anesthésie l'église, sa doctrine. On veut que vous admettiez tout, l'avortement, l'euthanasie, tout. Vous êtes les plus persécutés. Mais comment résistons à la persécution? Par la prière. Car le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez des femmes et des hommes de prière. Ne manquez pas à la messe. Priez à la maison. Demandez la force de Dieu. Unissez-vous. Soyez fermes dans votre foi. L'Évangile enseigne quelque chose qui nous donne la vie.
Parce que Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Dieu ne veut pas la mort, Dieu veut la vie. Je ne sais pas si je réponds, mais mettez-vous ensemble et défendez votre foi. Oui. Éminence, je vous remercie de votre conférence. Vous avez bien répondu à une interrogation que j'avais entre Dieu ou rien. C'est le relativisme. Et donc, je suis très content de vous avoir écouté. J'ai une observation. Il existe en Occident une génération qui est ouverte à la spiritualisation et qui est là. Ce sont les jeunes de 15 ans. Les jeunes de 15 ans ne veulent pas, comme leurs aînés, rentrer dans la compétition, faire du consumérisme. Ils sont pour l'écologie, une économie verte, une spiritualité, c'est la naissance de la spiritualisation, et une solidarité. Mais ma question est celle-ci. Avec cette montée de spiritualisation, je vous conseille d'écrire un nouveau livre, et cette fois-ci, ce serait « Dieu ou le néant ?» Parce que si on rentre dans la spiritualisation, il est clair que le néant, c'est l'absence de Dieu, et je suis convaincu, comme la théorie du Tsitsum et des kabbalistes, que Dieu ne pouvait pas créer notre univers dans le rien, mais il pouvait le créer dans le néant, à condition qu'il se retire en lui, vu que Dieu est tout. Je vous remercie, Monseigneur. J'ai pas compris le titre du livre. Dieu comment? Dieu. Néant. Ah, néant. D'accord. D'accord. Voilà. Dit, M. le Cardinal, que la prière, c'est ça qui est important. Et nous devons prier le Notre Père. Jésus a toujours prié son Père, Dieu plutôt qu'il appelait son Père. Mais dans le monde, nous vivons actuellement en interreligieux. Et je connais personnellement beaucoup de gens qui sont musulmans et qui prie d'une façon formidable le seul Dieu qui existe. Voilà, je vous laisse, c'est ma réflexion. Oui, personnellement, je peux vous dire que quand je venais de terminer mes études en Bible, je suis rentré chez moi comme curé, et ce qui m'a frappé chez les musulmans, quand les musulmans, à 4 heures du matin, hurlaient « Allah Akbar ». Moi, je me disais dans mon lit, mais toi, tu dors encore? Toi qui crois au vrai Dieu, tu es couché encore? Lève-toi! Les musulmans m'encourageaient à la fidélité à la prière, à la persévérance dans la prière. Et lorsqu'ils voyagent, quand l'heure arrive, ils s'arrêtent pour prier. Il y a des très bons musulmans qui nous rappellent la priorité de Dieu. Et aujourd'hui aussi, regardez le pape Benoît. Il a renoncé à la papauté. C'était pénible pour beaucoup d'entre nous parce qu'on n'avait jamais vu cela. Mais il est en train d'écrire une encyclique aujourd'hui. Il est en train de nous enseigner par sa vie que la prière et Dieu doivent être une priorité pour nous. Nous croyons peut-être, nous, que nous devons faire beaucoup de choses actives. C'est certes nécessaire. Mais lui, il a dit, je vais passer les derniers moments de ma vie à prier, à parler avec Dieu. Et
ce n'est pas le premier qui m'a enseigné la prière. C'est un autre évêque africain qui était retraité du Kenya. Et il a demandé à entrer chez les trappistes à Tréfontaine, à Rome. On lui dit, Monseigneur, le droit canon t'interdit d'être moine maintenant. Mais il dit, mais moi je veux être avec les moines, terminer ma vie. On dit, bon, vous pouvez aller chez eux comme hôte permanent. Vous faites comme les moines, vous vous levez comme eux, mais vous n'êtes pas moine. Et il m'a dit ceci, Monseigneur, pendant des années, comme prêtre et comme évêque, j'ai parlé de Dieu. Maintenant, je vais parler avec Dieu. Nous, les prêtres, nous courons un grand danger de parler de Dieu. Mais quelquefois, nous n'avons pas le temps de parler avec Dieu. Et ce que vous dites est important. Donnez la priorité à Dieu et à la prière. On va, si vous voulez bien, il se fait tard. Je vois bien que nous sommes très très heureux d'avoir accueilli Son Éminence le cardinal Robert Sarra, très heureux aussi d'avoir accueilli Son Éminence Joseph de Kesel et le nonce. Je voudrais simplement, permettez-moi de remercier déjà ceux qui ont permis que cette soirée se déroule le mieux possible jusqu'au bout. Et je dois nommer en premier Paul Forget, qui est celui qui a fait la proposition de vous inviter, Éminence. Alors je vais faire, vous savez, comme au théâtre ce soir, il va y avoir plusieurs personnes que je voudrais remercier. Et à la fin, nous avons un petit cadeau à vous faire, Éminence Joseph de Kesel, ainsi que Robert Sarra. Donc, une petite patience pour qu'on vous offre ce cadeau. Je demanderai à Étienne ou à Louis de vous le faire. Je voudrais remercier particulièrement aussi cordialement Étienne et Claire Dujardin, ainsi que Louis et Vinciane Pirnet, qui ont porté cet événement dans les aspects tout à fait pratiques, mais aussi dans la communication. Soutenu par un fort soutien du secrétariat paroissial, en particulier Sandra de Boeli, et la très disponible Anne-Marie Hardif, qui est toujours très très présente. Ils ont connu beaucoup de longues soirées et de courtes nuits pour préparer cet événement. Je veux remercier très chaleureusement à les assurants de ma prière spéciale et à leurs intentions les plus chères, plus d'une centaine de bénévoles qui n'ont pas ménagé leur peine. Pour que tout se passe dans la paix et la concorde, je me dois de nommer quelques-uns d'entre eux, en sachant que c'est un exercice difficile, mais juste, pour savoir reconnaître le travail qui a été entièrement fait bénévolement, dans le but, pour tous, je le crois, d'être gratuit pour la gloire de Dieu et le service de nos frères. Derrière chacun de ces noms que je vais donner, d'autres se cachent, que je ne peux point nommer, car je ne les connais pas. Mais ceux-là sont très importants. Alors, aux caisses bleues auxquelles vous allez faire un bon accueil, pour couvrir les frais de la soirée et les œuvres du cardinal Robert Sarra, Sophie de Beauregard. La logistique, Oscar de Chatsen et son équipe avec Raphaël Moreau, Michel Dufour, Jonathan Parion, Jean-Benoît Ponteville. La chorale avec Gwenaël Laurent et sa chorale des jeunes soutenue par la chorale des jeunes Scola Laetitia. Secrétariat de l'événement, Christine de Wassège et Delphine Gilles. Les sandwichs,
Ah, ça, c'est un miracle. Gabriel Mac et ses 25 bénévoles. Le réseau, les réseaux sociaux avec Aymar de Touzalin et Marie-Hélène Leblanc. Reportage photo, Henri Vaninis et Ignace de Haute-Sigy. Merci aux distributeurs de sandwichs, aussi à Laurent et Emmanuel pour le bar qui a été monté en bas, puis à Hervé qui était là aussi, et bien d'autres services comme le transport, les services paroissiaux de chaque dimanche et de la semaine, qui se sont mobilisés pour cet événement exceptionnel. Alors, mes amis, monsieur le cardinal Robert Sarah reste disponible pour la dédicace des livres que vous lirez avec profit, j'en suis sûr. Au fond de l'église aussi se trouvent des tracts sur une table. Excusez-moi, on a interdit toute distribution pour pas qu'on soit inondé de tracts, mais comme, je dirais, référent de Notre-Dame de Stockel, du 5 au 11 mars, il y aura une retraite ici, ou plutôt un parcours spirituel qui sera donné par l'abbé Pierre d'Escouvemont en plein cœur du carême. Ceux qui sont intéressés peuvent trouver des dépliants qui ne vous seront pas distribués. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas, pour pas faire de gaspillage, sur la table qui est au fond de l'église. Je laisse la parole maintenant à Louis ou à Étienne pour les indications pratiques de la fin de soirée. N'oubliez pas le petit cadeau qui est à faire. Et après, à la fin, je le dis tout de suite parce que vous ne ferez pas l'oublier, il y aura une bénédiction qui sera donnée par nos éminences. Voilà, alors, outre les caisses bleues, on a aussi besoin de bras pour remettre l'église dans sa position habituelle. Donc, si on est 50, ça ira très vite. Si on est 5, on risque de passer une partie de la nuit. Merci beaucoup. Et puis, voilà, c'était une magnifique soirée. Nous remercions Son Excellence, Ses Éminences et tous ceux qui sont venus ce soir. Voilà. Alors, il y a un petit cadeau. C'est de la part de certains jeunes, enfin de plusieurs jeunes de Bruxelles. Et c'est... voilà, c'est... des spécialités belges, en fait. Quoi ? Donc, comme tout le monde ne voit pas, il y a un géant spéculoos de 85 cm pour le cardinal Sarah, pour sa valise, et il y a aussi des spéculoos pour le cardinal de Kesel. Alors, la meilleure façon de remercier tout le monde pour la belle soirée, c'est de nous aider vraiment à plier les chaises et à les déplacer. Et c'est aussi de nous aider à couvrir les frais de l'événement par rapport aux caisses bleues. Alors, il va y avoir maintenant la bénédiction qui va être donnée par les deux cardinaux, Monseigneur de Kesel et Monseigneur Sarah. La dédicace se fera ici, au-dessus des escaliers. On mettra une table. N'hésitez pas à mettre votre prénom et votre nom déjà dans le livre, pour que ça aille plus vite. Je laisse la parole aux cardinaux pour la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous allons remercier le Seigneur pour ce soir, cette rencontre, remercier Notre-Dame au cœur d'or qui protège ce pays. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui et lui confier la nuit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La paix soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit.